Depuis que nous sommes tous unis. Oui, mais on est séparés. Oh, mais écoute, J'ai trop Jolan, c'est envie bon, de ça faire va. ça. Depuis que nous sommes tous ensemble. Oui, mais chacun chez soi, quand même. Mais non, mais c'est bon, Arrête, arrête, Jolan, ça va. chut. Dans Dans 7h19 7h19 de de la la semaine semaine 7 7 de de l'an l'an 1 1 de de l'ère l'ère du du Covid. Covid. Mais vous croyez qu'ils vont interdire les câlins? Arrête, Chut, c'est bon, oh là non. là. Des Dégringolades gringolades dans dans l'étagie. Je voulais profiter pour faire toutes ces choses indispensables, que pourtant toujours je diffère, tenant le temps pour responsable. Me remettre à la broderie, tout repeindre le salon, me lancer dans la poterie et recoudre mes pantalons, nettoyer les toiles d'araignée, faire le ménage dans le garage, puis élaguer le châtaignier, tout en changeant le carrelage. Mais non, j'ai pas pu. Perte de motivation, indolence, hibernation et flemme, flemme, flemme sur les écrans. À regarder débile, info en boucle pour angoisse et folie. On tourne en rond, le cerveau ramolli. Mais après coup, je me suis dit que si je procrastinais tant, fallait-il sans doute que je vise des objectifs moins importants. Voir tous les films de Claude Sauté et nettoyer tous mes outils, trier les jouets pour les jeter et faire mon premier clafoutis. Réparer le manche de la casserole, fabriquer moi-même mon savon, redresser l'aile de la bagnole, faire des masques en papier crépon. Mais non, j'ai pas pu. De motivation, indolence, hibernation et flemme, flemme, flemme sur les écrans. À regarder du débile, info en boucle pour angoisse et folie. On tourne en rond, le cerveau ramolli. Voyant bien qu'implacablement je m'enfonçais comme dans du sable, je décidais de lentement me borner à l'indispensable. Faire à manger pour les repas, passer le balai dans les coins, changer la litière du chat et nettoyer la salle de bain. Téléphoner à mes parents, descendre, sortir les poubelles, dire aux enfants stop aux écrans, les forcer à faire la vaisselle. Mais non, j'ai pas pu. De motivation, indolence, hibernation et flemme, flemme, flemme sur les écrans. À regarder du débile, info en boucle pour angoisse et folie. On tourne en rond, le cerveau ramolli. Voyant que j'approchais du fond, il fallut bien me résigner. Que j'étais pris dans un siphon, j'étais forcé de m'aligner. J'ai classé mes grains de semoule et j'ai mesuré tous les objets. J'ai même astiqué une ampoule et j'ai brûlé tous mes projets. J'ai compté mes feuilles de PQ et j'ai trié mes cotons-tiges. J'ai empaillé mon hibiscus et j'ai relu tous les oui-oui. Mais oui-oui, léthargie, léthargie.